Nous avons perdu le contact avec la colonie LV-426. Prenez Gorman et son équipe pour mener l'investigation. Personne ne doit apprendre que la compagnie a délibérément contaminé la colonie dans le but de récupérer des spécimens aliens au-delà de la quarantaine ICC. Oui, monsieur. Il est aussi impératif que vous obteniez la confiance de Ripley. Connais les xénomorphes et nous aurons besoin de son aide pour en capturer un vivant. Bien compris. Bon, sachez aussi que les hommes de la division des armes biologiques ont l'ordre d'éliminer les intrus. Bien entendu, ils ne connaissent pas les objectifs de votre mission. Watson, passez par là. Bonne chance, Ripley. Système connecté, code de sécurité. Ça y est, nous y sommes. Prenez garde, les gars. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélus et aujourd'hui nous retrouvons pour un nouveau rétro sur Alien Trilogy, un jeu sur DOSBox, enfin sur MS-DOS, sorti il me semble dans les années 90, on va voir une petite démo, et comme vous le voyez c'est une des rares fois où je vais vous montrer un FPS. Et c'est une dernière fois parce que celui-là, il a un truc, il a l'ambiance, il a le feeling, il a tout ce qu'il faut. Je vais lancer une partie de suite, par contre les contrôles sont assez dégueulasses, c'est le seul dommage. Mais il y a quelque chose d'assez bien, en fait là je joue à la souris, j'ai configuré pour jouer à la souris, et en fait si vous jouez sur une souris, si vous faites souris, lorsque vous glissez votre souris dans la direction, votre personnage avance aussi. Donc pour changer d'arme, pour l'instant on a qu'un petit pistolet. Sur table on a le briefing. Donc en gros là j'ai qu'un pistolet 9 mm. Après je vais récupérer un fusil. Ma mission, alors ce sera noter que votre M sera inefficace sur les barils. Ouais. Donc en gros je dois tout faire. Alors détruisez les caisses et les barils sur votre passage. Et j'ai le plan. Donc là premièrement le plan pour activer c'est S. Ce que vous voyez en bas à gauche c'est donc mes ammo pour cette arme. En bas à droite c'est le radar et en haut à droite c'est ma vie. Et donc là j'avance et la musique qui est. Et là un facehugger. Alors par contre évidemment marcher dans les cadavres vous fera perdre de la vie parce que c'est de l'acide. Et oui. Alors on peut jouer soit clavier soit souris. Comme vous le sentez. Je laisse quand même la souris, je joue clavier souris pour ma part. Je me prends masse de dommages dans mes dents. Ah, il est là, je l'ai vu. Et lorsque les facehuggers s'approchent trop près de vous, il y a une petite. C'est une petite cinématique assez drôle. Donc là, je ne peux pas détruire, évidemment, on m'avait prévenu. Alors, ceci est très important. Ça permettra de déverrouiller les portes. Quand une porte sera déverrouillée, vous voyez ici il y a des lumières. Quand elles sont rouges, ça veut dire que les portes sont verrouillées. Mais si elles sont jaunes, la porte est déverrouillée. Alors attention, on fait attention. Ah. Les facehuggers, toujours important. Les ennemis bien sûr sont signalés sur la map par des points blancs. Bon, il s'est barré. Superbe. On explore bien tout. Ah, tac, un automapper. Donc automapper, si je dis pas de la merde, hop, ça met toute la carte. Très important. Et j'espérais... Bon, pas ici. Activons la porte juste en face. Faisons attention à ce facehugger qui reste caché. C'est un doué. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs jeux que j'ai fait. Et là, bam, le fusil. Donc fusil pour changer d'arme, c'est les touches... Les touches numériques, donc là j'ai 20 ammo. Alors sur le pistolet on peut avoir 150 max et sur le fusil je ne sais pas.
vu que je ne sais pas parce que je m'en fous. Et bam, ça détruit tout. Et on fait attention parce que ça peut cacher des facehuggers. Alors je vais revenir cependant ici parce que il y a des caisses. Et dans les caisses, on trouve de tout. Ah ouais, voilà. Il était caché. Il y en a un autre là. Juste attends. Dans la troisième tournée, il y en avait un autre. Il s'est barré. Ah voilà. Un medikit qui vous remet de la vie automatiquement. Ce jeu fonctionne comme un Doom. Et ça, c'est bien. Alors, les bombes d'herbe, je ne sais pas comment on les utilise, hélas. Le jeu est très très prenant. Ah voilà, des cartouches de fusil. Donc je vais mettre en fusil direct. C'est une recharge pour mon 9 mm. Ah, il y en a un juste derrière, il était là. Voilà, ça je pense que c'est déjà pas mal pour l'époque, c'est très beau. Il y a un oula. Là par contre, hop là. Ah, c'est derrière la porte que ça s'agite. C'est derrière la porte. Je vous conseillerais, si vous jouez à ce jeu, de tout nettoyer. De vraiment tout nettoyer. Ah, et voilà notre pote. Notre pote l'alien. Très intéressant. Par contre, la musique boucle, il me semble, si je dis pas de conneries. Ce serait bien si on remette. Allô, musique, voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Voyons la map. Ouais, j'ai fait tout le tour, je vais donc aller dans la salle qui se trouvait juste tout là-bas. C'est-à-dire le seul accès, voilà, sur la droite. Je laisse bien sûr mon fusil devant moi, équipé, parce que putain, sinon je suis pas badass. Je vais quand même lancer un peu plus vite, parce que la souris c'est bien mignon, mais quand même. Ah, il est caché. Salut copain, tranquille la vie. Voilà. Hop là. Salut. Je vais me remettre au 9 mm, j'ai 90. Donc là du coup je pense que ça devrait jouer. J'ai quelques facehuggers. Regarde, il est où. Il va me prendre. Voilà. Batterie nécessaire. Ah, j'ai pas de batterie, merde. Dans ce cas, faut que je retourne fouiller. Bon, au moins j'éclaire la zone pour le moment. Ce jeu est vraiment immersif au possible. Là, c'est fermé. Alors que je trouve d'autres portes. Ah, voilà. Ici, avec de la chance. Donc, je suis déjà allé. Non, je suis pas déjà allé. Quatre cartouches de mise de fusil et ça suffit. Ah là, il y a un peu de sauveur, je l'ai vu. Je t'ai vu, ça. Putain, il y en a même deux. Très bien. 3, 4. Oh, deuxième facehugger que je prends. Il est où ce salaud. Ah, je me le suis fait. Très bien. Donc là, vite, on fouille tout. Décède. On regarde partout s'il n'y a rien. Toujours. Voilà, des recharges de 9 mm. On prend la porte et on est. Ah, putain, il reste un. Oula, j'ai. Ouh, tu le sens, mon vieux freeze, le jeu là. Ou le vieux frise de merde là par contre. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais au moins il y a un chargeur que j'ai pris et une bande. Voilà le freeze là que je me tape. Cartouche de fusil. Voilà. Ah, il y a eu un petit freeze pendant un moment, j'ai pas compris. Ah, j'ai trouvé la trousse, parfait. La batterie surtout. Donc du coup là, ouais, tout droit. On y croit, il y avait un ennemi derrière moi, pas grave. Hop, hop, hop. Il me suit,
tant mieux, je pourrai le défoncer dès qu'il sera à moi. Hop là, et la fin du niveau. Donc j'ai tué 75% d'aliens, j'ai fait tous les secrets et 78% de missions. Bah parfait. Voilà, donc ça c'était la première mission. Je vais quand même faire la deuxième que je n'ai pas faite. Alors on peut save bien sûr. Je vais sauvegarder sur ma partie là, voilà. Et on va continuer. Parce que c'est à partir de là que je me suis niqué. Parce qu'on peut ramasser des charges sismiques. Sauf que lorsque j'ai cherché les touches pour utiliser la charge sismique, j'ai fait de la merde. Voilà. Donc là, on. Hop. On recule, on fait attention. Droite, gauche, on regarde. Ok, ok. Déjà, première nuit qui arrive. Ok, très bien. Décède, putain, ça m'a pris. Donc si je me trompe pas, là-haut, ouais, il y a de la fumée, donc c'est du dommage gratuit, ça. Il y en a un qui va arriver, je le vois. Je l'arrive pas, tant mieux. La porte là, elle est ouverte, non, elle est fermée, parfait. Tant mieux, non mais tant mieux, hein. J'aime ça moi. Là, alors là tu, ça c'est gratuit par contre, ce qu'on me donne. Deuxième freeze, ah putain c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse parce qu'on me fait deux. Je pense que c'est mon PC qui doit lâcher parce que depuis ce matin. Je dois pas supporter le coup. Je n'ai pas d'automapper. Ouais, là il supporte plus de jeu là. Là il va être bientôt décédé. Je suis désolé pour vous. Ça va être un peu dégueulasse, mais voilà. Donc là pareil, quand on tire dedans on recule, on se met en 9 mm, on attend de voir s'il n'y a pas de la connerie qui sort, on ramasse tout. Donc là je pense que c'est full cartouche et que full mini partout. Alors attention, là je me mets en cartouche direct. D'essaye. Alors là oui c'est, ah c'est le couloir sombre et mystérieux et glauque. Putain, il est où ? Je me permets d'utiliser au moins des cartouches comme un connard. Il est où ce, l'autre connard ? Non, c'est bon, c'est juste derrière. Il y en a. Oui, je me marche dans. Je marche dans la cible, moi, je suis un fou. Et la BEM ! Hop, de potes ! Salut les copines ! J'ai envie de dire ouais tranquille à votre vie hein, mais vous allez décéder. Même et voilà. Alors il y a un vieux bruit là, c'est dégueulasse. Ah non c'est juste moi qui me suis pris. Donc là on ouvre les portes. S'il te plaît ouvre la porte. Fais pas ta pute, ouvre la porte. Voilà, petit bait. Là, la menu mais aussi des facehuggers. Je peux me permettre de. Ouah c'est dégueulasse. Ouah c'est le ralentissement de. C'est le ralentissement de l'envie ça. Je vais juste attendre, je suis où là parce que je suis en train de me perdre. Ouais non c'est bon. Voilà, porte activated. Là il y a quoi? Là il y a du hameau. Cartouche de fusil. Il faudrait une trousse de soins. Non, y a pas de piège là. Une batterie, génial. La batterie, c'est ça qu'on aime. On active les portes. On a activé toutes les portes là. Donc là, si je reviens, je pense que tout sera ouvert. Il faut juste trouver un medikit qui normalement devrait se trouver. Voilà, juste ici. On recule, on se met en 9. Parfait, le medikit qui est là. Les hameaux de l'amour. Alors on va continuer, voyons. Ouais, on va continuer tout droit. Quoique je vais laisser le. Ah il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il me veut. Il te voit, il me voit, il me voit, il me voit. Voilà. Donc quoi que oui, il y a des fessiers.
je peux me permettre de faire le feu à tes ennemis. Oh, calme-toi. Calme-toi un instant, toi, et reste là. Voilà, c'est là qu'il faut utiliser les bandes d'herbe, enfin les trucs de séisme, il me semble. Là, c'est fermé. Et là, il y a un petit haut facehugger là. Avec son pote. Son grand frère. Là, je sais plus si je veux peut-être aller vers les portes. Oh, il y en a un. Oh, il est beau. Je l'avais vu. Ok, ok. Là, il y a rien. Là, ouverture porte. On va mettre en face. On récupère les chargeurs. La bande d'herbe. Je ne sais pas à quoi ça sert. Putain. Attention. Oh là là, ça lagouille encore. Ouah, ça lagouille tellement fort. Je t'ai vu, t'es caché. On se fait un billard. Salut. Tranquille. Oula, 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 y'en a deux. Oui, y'en a deux. Je me recule dans celle-là. Oh, c'est magnifique ces ralentissements pour voir la pixelisation de ces ennemis. Profitez-en, vous m'en verrez plus des comme ça. Donc là, la batterie. Allez, putain, faut être en face. Voilà, porte activated. Voilà, voilà. Donc, je récupère quand même tout ce merdier. Les bandes d'herbe, les bandes d'herbe. Putain, j'en ai... Oh, j'ai 100 de vie. Oh, je suis en overdrive de vie. Cool. Voyons, donc là, je suis perdu. Aller tout droit. Non, demi-tour et tourner à droite. Ok. Par là, si je me trompe pas. Ouais, et aller tout droit. Ah, mais ouais. Putain, vous êtes sûr, les mecs là, que c'est... ça me paraît un peu chaud. Ça se... Ouais. Ah mais bon tant pis. Dommage, dommage, dommage. Salut copain. Salut. Take damage efficace. Qui me permet de faire le tour de la map et de revenir à mon point de départ. C'était la GG idée. Et ça c'est l'escalier, n'est-ce pas? Et ça non. Très bien. Donc la GG idée du jour, ne faites pas ça. Donc alors attends. Ouais, une porte que j'ai pas encore vue. Ouais, ça ramouille sévère par contre. Hein. Là, le PC il va pas tenir longtemps, je le sens. Donc, on va... Salut copain. Mets-moi ça deux secondes. Ouais, il y a une porte que je n'ai pas ouverte là. Allez, on y croit. Ouais, comment ça marche? Ah bah, en bas, dis donc, c'est ça que j'avais pas ouvert. À bouger, hein. Trousse de soins. Là, il y a du bordel. On détruit. Là, il y a un fessayeur. On va défoncer. Voilà, comme ça. Et on récupère de tout. Les cartouches de fusil. C'est très rentable. Quelle est la sale petite merde qui me touche? Excuse-moi, sale petite merde. Voilà. On a quoi, des bandes. Donc du coup là, ensuite il nous reste quoi à faire. Tourner à droite, ensuite à gauche et ensuite à droite. Gauche. Et à droite. Non. À gauche. Ouais, je marche dans l'acide, mais c'est bon. C'est pas important l'acide. Et ensuite à droite. Ah bah oui, c'est vrai, la porte est fermée.
fermée. What? Oula. Il y a un endroit que je n'ai pas visité. Oula, oula, oula. Bah, je suis bloqué, trop bien. Ah non, il y a un chemin, mais j'ai pas les bombes. Enfin, je vais quand même essayer un truc. Peut-être que je les ai pris sans le vouloir. Non. Non, ça ne marche pas, évidemment. Des touches qui ne servent à rien. Non. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser ici. J'espère quand même que ce petit gameplay vous aura plu. Le jeu est disponible sur ROM Station, donc le jeu, évidemment, je vous rappelle, mais c'est marqué dans le titre. C'est Alien Trilogy. Il prend, ouais, il prend 200 MO, mais ça, si vous avez une bonne connexion, ça va aller vite. J'attends vos retours sur ce jeu en commentaire. Et puis, si vous avez des idées de jeux de rétro, n'hésitez pas à me les dire aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter, de regarder les autres vidéos si c'est la première que vous regardez actuellement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Twitter @Azarius1. Bon jeu et à la prochaine.